Ah, une séance en Dancy majoritairement à passer dans le rouge, mais qui se termine finalement avec un CAC 40 à moins 0,18% vers les 5348 points. C'est pas une mauvaise semaine hein, pour autant avec un indice français qui gagne de sur les cinq dernières séances. Sans doute un peu fatigué de se battre avec les Chinois, Donald Trump a décidé de reporter de 6 mois la mise en place des taxes sur les automobiles et pièces détachées en provenance notamment de l'Union Européenne et du Japon. Aux états unis ça progresse doucement, le Dow Jones grimpe de 0,2% à 17h40. Le Nasdaq est stable. à noter quand même hein, le gadin de Pinterest, moins 10% pour le réseau social et qui est coté depuis à peine. Un mois à cause de prévisions annuelles décevantes et gâtin aussi pour Beidou, géant de l'internet chinois à côté à Wall Street, moins 15% qui a enregistré ses premières pertes trimestrielles depuis 2005. Sur le marché français, sur le SBF 120, le tube de la journée, c'était incontestablement Valourec. Il a publié à des comptes trimestriels en natte une perte nette par du groupe ramenée de 170 à 90 millions d'euros, un excédent brut d'exploitation qui repasse dans le vert à 67 millions et un cash flow libre qui évolue de moins 254 à moins 159 millions. Un début d'année encourageant donc et les objectifs 2019 confirmés. Derrière, on retrouve Corian. Le groupe a annoncé un partenariat avec la Banque des territoires et Crédit Agricole Assurance pour développer à des maisons âgées-vie une solution alternative d'habitat partagé pour les personnes âgées sur le territoire français. Dassault System et Altran sont également bien orientés. Du côté des baisses, cette fois-ci, ça continue à plier pour ArcelorMittal. 10e séance de repli pour les géants de l'acier entre inquiétudes sur la guerre commerciale et fin proche des surtaxes douanières américaines sur l'acier en provenance du Mexique et du Canada. Et bien, le titre recule de 31% en un mois. Derrière, il y a n'a peut-être pas tout compris, hein. euh, la direction promet une nouvelle offre Freebox milieu de gamme plus accessible, veut peut-être que la Delta ne marche pas si bien que ça et qu'elle est trop chère pour beaucoup de consommateurs, ça se replie aussi pour Vindel, lors de son assemblée générale, la holding a annoncé sa stratégie pour les années à venir, une concentration accrue du portefeuille sur un nombre réduit de, je cite, de futurs leaders, enfin sur le SRD, KNIM perd près de 16% après des résultats trimestriels et des perspectives décevantes. Voilà, c'est tout pour ce soir. Mais si vous voulez retrouver plus d'infos sur la star du jour Valourec, n'hésitez pas à regarder le replay des Corona et l'interview exclusive du président du directoire, Philippe Rouzet. Très bon week-end.